Live. 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 Alors, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez dans vos différentes activités à pouvoir mettre sur pied vos projets? Bien sûr, bien sûr. Comme tout jeune, moi, je vais d'abord dire l'argent, hein, c'est vrai, c'est la thune. Mais j'ai appris quelque chose en 3 ans d'entrepreneuriat, c'est que au-delà de l'argent, il y a le networking. En fait. Il faut d'abord savoir te créer des relations avec des gens et tout. Et c'est la première des choses. Parce qu'à partir de là, tu peux avoir de telles bonnes relations qui vont te mettre à l'abri. La meilleure richesse, c'est la relation humaine. Oui, c'est la relation humaine. Ouais, la relation humaine. C'est ça. Super. Alors, étant jeune, n'avais pas peur quand même de prendre de telles initiatives? Non, 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 non. Il y a un grand frère qui m'a dit en fait que tout a déjà été fait de manière traditionnelle ici au pays. Donc, si tu veux entrer dans ce qui est traditionnel, donc les métiers d'avocat, les métiers de docteur et tout, tu peux t'en sortir, c'est vrai. Mais tu ne peux pas devenir millionnaire, tu ne peux pas devenir milliardaire en faisant cela, quoi. Alors, attends, tu penses qu'on peut réussir au pays? C'est mon optique, c'est mon optique. En fait, Steve Jobs, je vais le paraphraser, lui il dit, si on n'essaie pas de faire quelque chose qui est difficile, on ne va jamais réussir à aboutir à quelque chose. Donc c'est une façon de dire, parfois nous on pense que chez nous tout est fermé. Mais sincèrement, moi je pense que ce n'est pas le cas. Au pays, il y a vraiment des opportunités. Du moins, c'est à chacun de monter son projet, de gérer ses défis et d'aller affronter. Au départ, c'est vraiment difficile et c'est ce qu'on traverse à l'heure actuelle. Mais il y a une certaine foi, une conviction, surtout avec la façon dont on fait les choses, l'engagement qu'on donne, qui montre que d'ici quelques années, d'ici quelques temps même, ça va porter. Alors, nous sommes ici pour un but, c'est comment qui met sur pied son magazine, c'est comment qui est axé sur la musique urbaine, c'est la première parution. Comment vous retrouvez là et comment est-ce que vous trouvez le projet finalement? Comme tout bon entrepreneur, on se suit mutuellement et on voit tout ce qui se fait de bon. Qu'est-ce que vous souhaitez à Gaëlle en fait? Elle a déjà commencé, elle a pris le chemin de la réussite, tout se fait déjà assez bien. Donc on souhaite tout juste que ça aille mieux quoi, c'est tout. Bah, de mon côté, gars, je souhaite franchement que son projet aille le plus loin possible. Parce que quoi, aujourd'hui, c'est comment s'inscrire comme un magazine spécialisé dans son domaine qui est la culture et le lifestyle. Et au Cameroun, on n'en a pas tellement. Là, il va en train de montrer Sidway237.com, un autre magazine. J'ai voilà-moi.com pour la musique. Fidil Atara TV, UWeb TV. Ça, c'est un environnement numérique qui se construit. C'est à partir de cela qu'on va pouvoir montrer à des investisseurs ou bien à de potentiels partenaires qui sont capables d'investir dans l'univers numérique que les médias innovants ont leur place. Donc je pense qu'il serait vraiment essentiel d'encourager de telles initiatives. Lorsqu'elle a décidé de monter un magazine spécial musique urbaine, elle m'a contacté, elle m'a dit fais des articles. Je n'ai pas hésité parce que j'ai compris l'impact. Et après quand on a 123 pages de musique urbaine, ça n'a jamais été fait au Cameroun. C'est de la matière, du contenu. Évidemment. De musique urbaine. De rassembler tous ces acteurs, des personnes qui n'ont pas l'habitude de se voir, de les rassembler dans un magazine, on ne peut que big up. On va pas nier l'effort, il y a beaucoup d'efforts, c'est pas facile. C'est pas facile, à la limite c'est trop même. C'est trop. Il y a du contenu. Mais toujours est-il qu'il en faut énorme. Encore. Alors, et on encourage. On va se séparer, mais vous savez la tradition, hein, vous connaissez la tradition, Tara TV, Music and Lifestyle. Ouais. Tara TV, Music and Lifestyle. Tara TV, Music and Lifestyle. Live. 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 Live.